with me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Ici et je continue maintenant pour perfectionner ma nage. J'ai aussi essayé d'aller à Haute-Marseille mais c'était beaucoup plus cher qu'ici. Donc moi ça fait depuis l'âge de 3 mois que je connais la piscine de Fessenheim parce que j'ai d'abord commencé au bébé nageur et fur et à mesure j'ai monté les niveaux, c'est-à-dire enfin, les Delphi. Et maintenant, je suis au Delphi Sprinter et ça fait à peu près 4 ans qu'on est dans le groupe ado. Moi, ça fait depuis l'âge de 6 mois que je suis au BB Club. On a fait tous les Delphi jusqu'au Delphi Sprinter. Et ça fait à peu près 4 ans aussi que je l'ai, donc on est au meilleur niveau. Et donc maintenant, c'est septembre 2011, on a commencé une formation qui est le BF1, Brevet Fédéral Premier Niveau, qui consiste à apprendre à nager aux enfants du club parce que on aimerait assurer l'avenir de la piscine et pour prendre la relève des anciens. On a chacune deux groupes le jeudi soir, des petits de 9-10 ans et des petits de 7-8 ans. À prendre la relève et à assurer les éventuelles futures années parce que pour le moment on est encore dans le doute comme tout le monde. On ne sait pas qu'est-ce que va devenir la piscine et on aimerait bien qu'elle reste parce que c'est quand même quelque chose de très important pour nous et pour plusieurs personnes. La piscine de Fessenheim nous permet d'apprendre à nager et à faire de nouvelles rencontres. Quand on voit certains à l'école qui ne savent pas nager correctement, je trouve ça assez déplorable de vouloir fermer la piscine, surtout qu'on ne sait pas comment ils feront plus tard avec leurs enfants s'ils ne savent pas nager. Pour par exemple aller en vacances ou autre activité nautique. La natation, elle est bien parce que ça donne des forces. Comme la natation, pourquoi la natation c'est bien? Parce que ça fait des muscles. Et ça fait bien nager les pieds et tout, donc ça va plaire à ma maman. Faut pas fermer la piscine parce que si on part en colonie de vacances et si on,
faire du canoë et kayak. Et si on tombe à l'eau et si on ne sait pas nager, on peut se noyer et mourir et fermer pas la piscine. Bonjour, faut pas fermer la piscine parce que c'est très très bien. Comme ça, on apprend à nager. Et sinon, après, on peut se noyer. Même s'il n'y a pas de toboggan, c'est très très bien. Et pour les adultes, c'est aussi très bien. Et ne fermez pas la piscine. Bonjour, ne fermez pas la piscine. C'est bien, même s'il n'y a pas de toboggan, ça nous apprend à nager. Et comme ça, nous ne nous noyons pas. Si on ne savait pas nager, on se noierait. Et ça nous permet de faire du sport pendant la semaine. Ne fermez pas la piscine.